Toute son enfance, elle a baigné dans les eaux de Karimama et celles du fleuve Okpara. Cette fille de pêcheur, Sakina Haruna, a héroïquement pu sauver à elle seule 5 âmes de la noyade sur les 11 en détresse à la suite du chavirement d'une barque. Les faits remontent au lundi 3 août à Tchaourou, quand elle entendit des cris de détresse provenant du fleuve Okpara, à hauteur de Zibrika Boudo, une localité du village Wouria à Tchatchou. Le temps que je suis à la maison, j'attends les gens en train de pleurer au marégo. Je vais partir les regarder. Et maman m'a dit, ah, c'est les enfants qui font ça. Moi, non, il faut les laisser. J'ai dit, non, je vais partir les regarder. Le temps que je suis arrivé au marégo, j'ai vu que c'est les gens qui sont tombés au pirogue. Et le gars qui est en train de les faire sortir là lui-même, il est fatigué et j'ai rentré. Elle est mariée au Niger. Donc elle est venue rendre visite aux parents quand l'incident s'est produit. Et comme Dieu veut qu'elle puisse nous accompagner, bien sauver des vies humaines, elle s'est jetée à l'eau et elle a pu sortir les 5 personnes. Pour les proches de Sakina, cet exploit ne les étonne guère. Elle est habituée aux eaux comme tout membre de sa famille. Toutefois, l'instruction scolaire de Sakina s'est arrêtée au CE1, faute de moyens. Sakina est une fille respectueuse. C'est une fille respectueuse, même moi qui suis son frère ici, je sais qu'elle est attentionnée. Aujourd'hui, tout mon souhait, c'est de trouver de bacs motorisés, les gilets de sauvetage et tout ce qui va avec. Sakina est une fille que j'apprécie trop. Elle est travailleuse. Personne n'était à la maison pendant que l'incident s'était produit dans le fleuve. Si on était à côté, on était sûr que la perte là ne serait pas aussi énorme. Sakina est une fille qui ne fait rien. Tout ce que je peux vous demander, c'est que vous nous aidiez peut-être à trouver quelque chose pour elle. Si c'est le commerce, je peux faire. Mais mon mari n'accepte pas que je vais partir à quelque part. Voici une des rescapées de l'incident malheureux. Ma prière, c'est qu'on nous place un pont là, en bonne et due forme, pour faciliter le passage. Cet acte altruiste et d'une rare bravoure de l'héroïne de Wouria lui vaut déjà beaucoup d'admirateurs. Certains se déplacent jusqu'à son village Wouria pour l'honorer.